je me suis présenté à Saint-Marc cette semaine dans le cadre d'un projet Métacollab que j'ai établi qui est pour expérimenter avec l'avenir de la collaboration. On a fait un atelier de chant, on a fait quelques ateliers de musique, de looping et des trucs comme ça, puis ça s'est vraiment bien passé, c'était vraiment génial. Vous le voyez comme des... Ça, c'est le time signature en quelque part, c'est 109.7 beats par minute. Il est comme attaché à cette structure-là. Les églises, c'est des lieux de musique. C'est phénoménal. C'est la réverbération dans les églises et fait en sorte que l'église devient une partie même de l'instrument, devient l'instrument, devient la cage de résonance de la voix ou de la chorale ou de l'ensemble qui se produit. Puis ça a un effet très enveloppant, ça a un effet très élevant aussi. Donc, c'est sûr que moi, je suis plus sensible à cet aspect musical-là. Mais je pense que ce sont des temps de musique. Moi, j'ai amorcé un travail il y a à peu près 3-4 ans autour de la traduction de textes en langage binaire, puis que je les retranscris en toutes sortes d'affaires, sons, images, etc. Avec Angela, on se disait que ce serait pas mal qu'à un moment donné, cet univers numérique que moi j'avais utilisé surtout pour rendre illisible justement des choses, le dogme, c'est puis dire on va garder que la substance philosophique, spirituelle des textes saints, par exemple, ou des mythes, puis de les rendre en images, c'est comme ça, à un moment donné, il ne reste plus que cette esthétique-là qui est comme... Et après, chacun peut se la réapproprier. Moi, je suis plus la performeur là-dedans. Alors, on a pris un mot comme Elohim, on l'a transformé en code binaire. Dans ce cas-ci, le code binaire dans mon corps s'est inscrit par la droite et la gauche. Au lieu d'être 0-1, c'est droite-gauche. Donc 0-0-1, ça fait droite-droite-gauche. Et on a fait un parcours, comme un parcours de labyrinthe avec, que j'ai marché dans l'église. Moi, j'aime faire des mosaïques collectives, j'en fais beaucoup, mais je ne pensais pas qu'il allait avoir autant de significations. 47 personnes, 47 significations. Donc, l'idée de base, c'était qu'il y avait un cercle avec 4 cercles pour les paroissiens. Puis, autour de ce cercle-là, il y a toutes sortes de cercles, grands, petits, qui s'entrechoquent. Ça, c'est vraiment ce qui se passe ici. Toutes sortes d'idées qui sont complémentaires ou pas. Il y avait l'univers tout autour. Mais il surgit quelque chose à travers la mosaïque. La mosaïque est simple, est accessible et permet énormément de découvertes sur ce projet. Il y a eu beaucoup plus de musique cette semaine, et la flûte était là, la guitare était là aussi, les cercles d'exploration vocale. Beaucoup de place pour les arts, beaucoup de personnes qui avaient envie de partager aussi, qui avaient envie de parler, qui avaient envie de passer un moment avec d'autres. Ça dessine cet aspect vraiment citoyen du lieu, cet aspect de rencontre, de lieu de convergence. Je pense qu'il y a un potentiel qu'on a vu cette troisième semaine, de lieux où l'on peut rentrer quand on veut et rester quand on veut. Chose qui avait été mentionnée lors de la première semaine, n'est-ce pas? Déambuler librement, la ruelle, etc. Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est l'hiver. Mon jardin, ce n'est pas un jardin, c'est la mer. Ma maison, ce n'est pas ma maison, c'est un igloo. Il est beau ce pays, elle appartient aux Québécois. Quand on fait quelque chose, on le fait très bien. C'est pas dans la chanson, ça. C'est pas dans la chanson.